Donc bonjour à tous les amis, bienvenue. Donc c'est Van Black, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Black Sad. Under the Skin pour dire le nom complet. J'ai attendu que la musique se calme, parce que la musique est stylée du menu mais elle est méga forte. Bon, on va continuer. Du coup, je crois qu'on s'était arrêté dans la planque d'Oléry. Et il y a un mec qui allait se faire buter. Il avait le flingue sur la tête, quoi. Il allait se faire buter, mais au final... Je sais pas s'il l'a fait, je crois que oui. Je crois que j'avais arrêté... J'avais arrêté juste avant. Par contre, il y a des gros bugs audio dans ce jeu. Ah bah, ça nous reprend quand il arrive, justement. On n'est pas des employés modèles. Nous voilà au beau milieu de la nuit. En train de faire des heures sous. Alors Jimmy, t'en penses quoi, hein? Je pense qu'il est en train de se chier dessus, Desmond. Mais bon. Ah, par contre, il a une voix de con, je m'en souviens. Réponds, connard. Oui, oui, bien sûr, comme un prince. Mais pourquoi vous... Du calme. Je me crois. C'était un type bien. Mais ça, tu le savais déjà. Tu le connaissais mieux que moi, pas vrai? C'était mon cousin. C'est pour ça que je t'ai engagé, Jimmy. Tu vois, Martin était un très bon ami. Et pour le gosse, Jimmy? T'es vraiment sûr de savoir combien de temps un gosse peut retenir sa respiration? Avec la tête dans la culotte des chiottes? Fils de pute. Je voulais pas faire ça. C'était son idée. C'était un peu égoïste, mais j'étais plutôt content de ne pas avoir risqué ma vie pour sauver un certain Jimmy. On aurait pu arguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir, mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui. C'est pas faux. Qui a fait ça? Je veux un nom. Cassidy, c'était son idée. Il a dit que vous m'engageriez si j'arrivais à effrayer la meuf. Ok. Il y a deux principes dans la vie que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Je ferai n'importe quoi pour la protéger. Parce que t'en as une, genre. Le second, c'est de ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Et je crois que je pourrais même y ajouter un troisième principe. Ou plutôt, une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces deux principes, je préfère prendre les choses personnellement contre. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de... Mais arrête de m'interrompre! C'est très mal poli, on t'a jamais appris ça! Allez, tu sais quoi? On va en rester là. Oui, tu vas apporter un message à ce gros tas de graisse de Cassini. Oui, tout ce que vous voudrez. Bon toutou. Quel est le message? Oh, Jimmy, voyons. T'as toujours pas pigé, hein? C'est toi. C'est toi le message. Mais il est mort. Allez, emballez-moi ça. Assurez-vous que Cassidy ait le message. Au petit déjeuner. Ok, les gars? Compris. Où est-ce que tu te caches, mon petit bubule? Une fois de plus, tu n'as pas entendu la fin de mon histoire. Ouais, il se barre au calme. Il va aller balancer à Jake, du coup. Oh merde, c'est encore lui. Mais où tu crois aller comme ça, mon gros minet?
Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Il se répète à chaque fois, en fait. Je joue toujours la sécurité. Je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe, ou plutôt une règle. Je prends les choses en main la première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, hein, même si je me suis contenté de le dénoncer. Il y a des gros bugs audio, je vous l'ai dit. Et bien, le gars a terminé dans l'Hudson, après un joli plongeon du quai 27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. Enfin bref, j'avais 14 ans et il m'arrive encore de rêver. Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Mais d'abord... Pour moi, désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil au même. Limite même, j'adore ça. Oh, l'indice de ouf. Au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron, je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse, histoire de prouver qu'ici, tout m'appartient. Ses pupilles sont dilatées et son visage est déformé par un léger sourire. Ce salopard s'amuse comme un petit fou. Ça se voit. Ce type n'hésitait jamais à appuyer sur la détente. Même si je n'avais pas vu ce qu'il avait fait à Ginny, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne rigolait pas. Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille, il n'y a que deux interprétations possibles. Petit A, il n'hésitera pas à briser la vôtre. Ou petit B, il trompe sa femme. En dépit de la tournure qu'avaient prise les événements, je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas. What the fuck? La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à O'Leary sur un plateau d'argent, ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier? Bon. Ah oui, pas con. Bien. Je crois que c'est tout. Ah, il se tape la meuf de son patron. Oh, il va le démonter. S'il le sait. Vous savez quoi, Black Sad? Je crois bien que je n'avais... Félicitations. Vous allez quitter la scène avec style. Je ne voulais pas vous interrompre, étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais c'est Colbert qui m'a demandé de venir. Quoi ? Pas ? Mais non ! Tu as fait quoi ? Colbert ? Mais quand ça ? C'était au téléphone, il me semble, non ? Bon, bref, il y avait ce type bourré, là. Tu te souviens, Eugène ? Non. On va mettre lui que c'est marrant. Il arrêtait pas de parler, il se vantait de se taper la femme d'un autre, tout ça. Oh, ah oui. Quelle époque, hein. Eh ouais. Et après, tu m'as félicité pour avoir retrouvé Yael et pour t'avoir sauvé la vie. Bah oui, plusieurs fois. Du coup, je t'ai demandé si tu pensais qu'O'Leary saurait se montrer reconnaissant pour ça. Eh oui. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt raisonnable comme supposition. Et donc, tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron. Ouais, c'est assez mérité, il me semble. Pas vrai, Desmond? Oh, Black Sad. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. D'abord, Wilson vous a rudoyé sans raison. Et maintenant ça. Vous m'aviez pourtant donné de bonnes raisons de vous faire confiance. Après la visite de l'appartement de Yael. Comme vous le savez... Dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. Je veux tout miser sur le match. Hey,
Alors comme ça, vous êtes joueur, finalement. Nous écouterons, si tu veux, sa sentimentale romance. Voilà la panse. Qu'importe. Très bien. Ah, je crois que j'ai foiré. Monsieur, placez votre pari. Je mise tout sur Yel. Oh, Black Sad. Juste comme ça, ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. Cela aurait très bien pu attendre demain, ne pensez-vous pas? Les chats et les loups préfèrent chasser la nuit. Voilà, c'est une bonne excuse. Ça avait de la classe en plus. Ça m'aurait plu d'être un auteur de romans noirs. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Ça le fait moyen. What? L'automne m'écrasa de tout son poids, aussi pesant que ma mauvaise conscience. N'importe quoi. Hey, s'ils prennent à deux les tricheurs. C'est des ninjas. Il se fait démonter. Putain, il y a un mais éléphant. Qu'est-ce que tu fais? Il veut qu'il reste. Ah, grillé. Elle horse. L'automne s'insinuait dans mes os, comme la douleur après une bonne dérouillée. Médiocre, mais approprié. Il y a son pote qui a dit qu'est-ce que tu fais? Il veut qu'il reste en vie. Et l'autre, il sort un couteau et tout. Alors qu'il devait pas le tuer, le con. Bah, il s'est défendu, hein, et... Mais c'est bizarre, les deux ont cherché à le tuer. Parce que l'autre, il a sorti un canif, et l'autre, il a sorti un gun. En tout cas, les amis, j'ai reconnu les têtes. Il y a... Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Il y a un cheval et un... Et cela, je le devais à mes sympathiques... Un éléphant. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. FBI. Tu l'as volé la plaque ou quoi? Eh bien. Monsieur Blackmore. Que puis-je faire pour le FBI? Blackmore. Tu t'es un peu trompé, madame. Est-ce que tout est américain? On va rester professionnel. Coopérer avec les forces de l'ordre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de parler. J'ai pour habitude de laisser parler mes actes. Néanmoins, pourriez-vous vous montrer un peu plus spécifique? Pourrions-nous nous parler seul à seul? Alec! On va pas tarder à s'y remettre. Vous avez 4 minutes, monsieur Blackmore. Qu'est-ce qu'elle a avec alors, Blackmore? À vous de jouer. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Al Stone, le boxeur. Est-ce exact? Oh, bravo, le FBI fait bien son boulot. Mais du coup, je m'interroge. À qui parmi les 100 millions d'Américains à être au courant de la chose avez-vous donc été extorqué une information aussi hautement confidentielle? Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Ah, vous aussi vous craquez sur ses biceps? Desmond Doleri vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi? Comment? Mais non, j'ai rencontré Al totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond O'Leary. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Ah pas si. Même lui. Bordel, je le hais, ce sale porc. Nous savons que vous faites passer de la contrebande au cours de vos tournois internationaux. Ah bon? Vous êtes sûr? Quel genre de contrebande? Je crois qu'elle a pigé mon bluff. Je continue ou je lui dis que je rigolais?
Je suis persuadé que vous faites partie d'un dangereux réseau international de trafic de Champions. Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez sérieux. Ça fait plaisir de constater qu'on a encore le sens de l'humour au FBI. Bien, vous avez toute mon attention à présent. Vous avez amené Moore à baisser sa garde. Nous sommes au courant pour vous et Desmond Doleri. Fabuleux. Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Vos sandwichs du FBI sont emballés dans des articles de presse à scandale, c'est ça? Le truc, c'est que... Ah, vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais... Auriez-vous des regrets? Les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non? Alors me retrouver associé à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole, n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Nous avons connaissance de 6 matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle. Et ? Vous les avez tous remportés. Oh, chercheriez-vous à m'offenser ? Vous savez, moi, j'ai tendance à tout donner sur un cours. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant. Allez donc les interroger, elles. En tout cas, maintenant, je comprends pourquoi vous avez mentionné O'Leary. Qu'avez-vous réellement contre lui ? Et par pitié, ne me parlez pas des paris, les gars. C'est un tueur. O'Leary est un assassin. Toute organisation criminelle a du sang sur les mains. La sienne ne fait pas exception. Et nous avons des preuves. Et alors, la belle affaire. Au moins, ça n'a rien à voir avec... le trafic de Champions. Je suis très sérieux, Mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous, parlez-nous. Pourquoi le ferais-je, Monsieur Blackmore? Qu'aurais-je à y gagner? Ou à y perdre? Notre pays est confronté à des problèmes drastiques qui réclament des mesures drastiques. Préférez-vous faire partie du problème ou de sa solution? En fait, c'est assez simple. Ah, elle veut se fumer une clope. Je t'aime aujourd'hui et à jamais, d'accord. Charmant porte-bonheur. Est-ce que vous avez du feu? Les dents d'un blanc éclatant d'une personne qui ne fume quasiment pas. Serait-ce que je la rends nerveuse? J'avoue. Je suis quasiment à court d'essence. Vous voulez un truc? Un coup vers le bas, un peu vers le haut, et en bas à nouveau. Fumerai-je aujourd'hui? Ah, c'est qui le boss? Merci. Je ne vois pas ce que vous voulez que je n'arrivais pas à éplumer ça. On aurait dit un coup. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de... Allez, qui Hélène, on s'y remet. Ah, il y a son coach qui revient. Est-ce que vous fumez? Ouais, il fait que ça. Ce fut un plaisir, Monsieur Blackmore. Blackmore, mais putain, arrêtez avec ça. En plus, il y a quelqu'un qui dit ça, Blackmore. Putain, il faut lui dire que c'est Black Sad. Hein. Ou alors, il fait exprès de faire un jeu de... C'est peut-être un jeu de mots pourri. La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope? Oh la vache! Elle en pince pour toi, mon pote. J'arrive pas à croire que t'aies envoyé ce bon vieux Weekly enquêter sur ce débile de Morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es OK? À ton tour, dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah, alors là, tu vas adorer. T'es prêt? Non seulement j'ai du nouveau, mais aussi j'ai... Black Sad. Oui. OK. Mon mari m'a réveillé ce matin avec des roses et un petit déjeuner au lit. Il m'a raconté qu'il avait eu une grosse frayeur la nuit dernière, sans vouloir rentrer dans les détails. Et puis, qu'il n'avait pas cessé de penser à moi depuis. Il veut m'emmener aux chutes du Niagara pour une seconde lune de miel. Vous
voyez, l'affaire s'est résolue toute seule. Mon mari ne me trompe pas. Et vous, qu'avez-vous fait pendant ce temps-là? Rien du tout. Vous m'avez même pas appelé une seule fois depuis que je vous ai engagé. Espérez pas être payé, monsieur Blacksad. Je vous entends très bien. Et le juge vous entendra également. Rendez-vous au tribunal. Attendez. Quoi? Comme ça, elle se posera la question toute sa vie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé? Possible. Mais là, c'est ton tour. Parle-moi de Cassidy. Allez, accouche. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Don, mais... Mais ben, quel reporter! Mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu. Et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balfour, n'a jamais quitté sa chambre. Étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de 3 bouteilles de bourbon. Alors mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel. Mettre K.O. Farnham, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un plan franchement génial, ça? Tu vas te chier. Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Moore et moi de Cassidy. Non? Surtout que t'es trop petit et t'as pas de... Voilà, quoi. T'as aucun charisme. Donc ça passera pas avec toi, c'est... Juste, il va venir s'asseoir à la table, on va lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Comment d'appuyer et c'est rentré, quoi. Va jouer à Viva Pignata. Ah, c'est lui le fameux Texan, là. Bonsoir, monsieur Farnham. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de me présenter. Je suis John Blackmore, le directeur de l'hôtel Balfour. Notre établissement met un point d'honneur à ce que nos distingués hôtes se sentent toujours les bienvenus. Nous vous prions donc d'accepter ces bouteilles de notre part à tous. Ah, d'accord. Je me préparais à sortir, mais les monuments seront encore là demain. Très bien, entrez alors. Pénétrer dans la chambre de Farnham n'avait guère été difficile. Mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, vous avez toujours un atout en poche. Blackmore, il a dit Blackmore. Tout va bien, ami. Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. Je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais commencer par quoi? Tout est en train de s'écrouler, moi avec. J'ai accepté de l'argent que je méritais pas. J'ai peur de me faire tabasser à nouveau. Non, ça c'est tapette. Tu es la fille que j'aimais, je n'arrive pas à l'oublier. Oh, médecin. Le monde entier est en train de s'écrouler, et moi avec. Où que je regarde, je ne vois que corruption, mensonge et trahison. New York est une gigantesque décharge à ciel ouvert. Ah, et nous autres au Texas, qu'est-ce qu'on devrait dire avec tous ces fichus catholiques qui nous déboulent dessus depuis le Mexique? Mais je reste convaincu qu'il existe un moyen de régler tous ces problèmes. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés. Il a un accent de merde. Il nous embrume l'esprit et déforme notre vision de la personne qui se tient devant nous. Jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnham était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libre de toute contrainte. Oh là, je vous arrête tout de suite, l'ami. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de Farnham... La partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Ah, c'est un piaf. Tu
Que puis-je pour vous, monsieur ? Farnham avait une sacrée descente. Et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. En même temps, vu tout ce qu'il boit, c'est normal qu'il s'est bourré. Hein ? Contre la montre ? Trouver les infos requises avant que le temps soit écoulé. Génial, je déteste ça. Moi je trouve une carte d'accord, ça sert à rien. Putain, le timer. J'aime pas quand il y a du timer, en plus ça continue de tourner. Salon de barbier de Billy Bob. Rasage oui, vietnamien. Oui, m'aviez fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Je m'en souviens, mais tu te souviens pas que c'est pas lui. Moi, c'est le truc que je ferais jamais, hein, aller dans un bar, chez un barbier. J'ai trop peur qu'il me tranche la gorge. Ah, comme ça. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art? Parfois, le silence en dit long. Ah bah il l'a fait cash. Non mais j'avais pas la réponse en fait. Je regardais pour la réponse. Je crois qu'il fallait mettre comme tout à l'heure. Ouais. Fallait pas dire de prix en fait. Bon, c'est reparti hein. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art? Donc bon, il est assez clair que l'agneau, mon second mariage aussi, en fait. Presque que j'avais fait à son père, si vous voyez. Enfin bon, toutes ces maîtresses, à un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé qu'à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'au professionnel. Quitte à finir par en être amateur de bordel. Il y a ce boxeur qui en a après moi, et je sais pas vers qui me tourner. Je serais prêt à payer une fortune pour me débarrasser de cet enfoiré. Eh bien, vous en avez de la chance, monsieur Blackmore. Je dois jouer au poker ce soir avec un grand monsieur de la boxe. Ah oui? Vous croyez que je pourrais venir avec vous? J'en doute fort, l'ami. Je viens de claquer 10 ans de votre salaire pour participer à cette partie. Et c'est quand même que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche, pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné un récépissé. Vous me prenez pour qui, hein? Je vais vous le montrer. T'as un problème de texture sur ta joue. Vous allez voir. Ça va être un million. Ça va être un million. Il est... Je l'ai mis. Je reviens. C'est un million de dollars. On a compris. Hein. Il vient de dire qu'il a claqué 10 ans de salaire. 20 000 dollars. Vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche. Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon? Je vais vous révéler un secret à propos de ma première femme, l'ami. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait rien, pas un sou, pas qui.
Il a parlé beaucoup avant d'être bourré, quand même. Enfin, avant d'être couché, je veux dire. Parce qu'il était déjà bourré, là. Ah, ça, si c'est pas le héros du jour, c'est pas vrai. Parler comme un Texan ne sera pas des plus aisés. Eh ben si, à New York. Bon, son accent est pas très difficile à faire. Il est tellement dégueulasse et mal fait. Tout à fait. Je dois même faire un poker voilà avec lui. Voilà qui peut assurément me donner un petit côté texan. Je n'aurais probablement pas besoin d'imiter ses gestes au cours de la partie. Mais ça ne coûte rien d'essayer. De la boxe au Grand Hall of Pride. Quoi de plus texan qu'un chapeau de cow-boy? Bah, juste... En tout cas, Kenny... Merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Regardez le fil du téléphone. Tout est bugué dans ce jeu. Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Si tu le dis. Mon bon vieux pote Kenny, le plus cinglé de tous les fichus Texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Ah, tu vas casser les couilles. Putain. En dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnham, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnham. Kenny X. Ah bah oui. Résident... Sur Cornell Plaza à Manhattan. Un magnifique penthouse. Je n'en suis pas surpris. Monsieur X a toujours eu très bon goût. Et sauriez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici. Oh là là. La coupe de John Dress. Il nous demande des trucs, on peut pas le savoir. Rien. Pas même une bible. Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnham boit un peu trop, cela simplifie le travail de ses compagnes temporaires. Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnham. Je me trompe? Oui, votre barbier était sur le point de me raser de près. Il aura d'autres occasions de le faire. Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail. Absolument. Bon allez, dépêchons-nous d'y retourner avant qu'ils finissent tout le bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnham est un honnête Texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas? Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. J'arrête pas de trouver des cartes. Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Comptez-vous nous remettre votre arme, oui ou non? Je commence à me demander si l'on peut vraiment vous faire confiance. Et j'aime pas trop perdre mon temps. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne serons que trois autour de la table ce soir. Billy Bob? Ah, juste pour ça? J'ai fouillé les tiroirs, y'a rien. J'ai fouillé cette pièce, y'a rien. En plus, il se déplace tout lentement là. Mauvaise nouvelle, c'est que nous ne serons que trois autour de la table ce soir. Billy Bob? Oh. Je l'aurais fait si j'avais eu une arme sur moi, mais ce n'est pas le cas. Vous plaisantez? Un Texan sans arme? Je suis venu sans arme. Dans quelle langue faut-il vous le dire? Ça ne ressemble pas à l'homme dont Kenny m'a parlé. J'ai assez perdu de temps. Billy Bob? Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe toujours un moyen de la toucher au cœur. J'ai trouvé la dernière minute, enfin. Avec grand plaisir. Oh, je me suis fait
J'ai fait trancher la gorge trois fois, quoi. Messieurs, soyez les bienvenus. Les jetons sont sur la table et les armes sont dans le coffre. Une charmante nuit de poker, de fumée et de bourbon nous attend. Prenez un siège, monsieur Farnham. Laissez-moi faire les présentations. À ma droite, en short gris avec 63 kilos à la pesée, le propriétaire du Pink Vice. Le plus grand supermarché de chair fraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute. Pour ces femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion incontesté, Oswald Quince. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet. Désolé, l'ami, vous n'avez pas la moindre chance contre moi. Mais bon, voyez les choses du bon côté. Vous apprendrez sûrement de nouveaux trucs. Pour le meilleur ou pour le pire, je n'ai besoin que d'un seul truc. Bien joué. En réalité, notre ami Farnham possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ah oui? Nous sommes donc collègues? Dans tes rêves, Quince. Monsieur est propriétaire d'un casino. La vache! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh, mais comment déjà? Ah, oh, oh, j'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas, là où les jeux sont légaux. Ouais bon, on va continuer là la prochaine fois les amis, parce qu'on n'a pas le temps de faire la partie de poker. La vidéo va être trop longue. Donc n'hésitez pas à me chercher le petit like si c'est pas déjà fait. Et puis, on va reprendre un date la prochaine fois. Heureusement que j'ai cut toutes les fois où je me suis fait buter. Bref. Donc demain sera un let's play sur... sur Deadlight. J'ai oublié. Et donc, ciao les gens.